Vidéo privée. Recherche de fuite sur piscine. Client a insisté que ça c'est le client dit que c'est les refoulements. Les deux refoulements. 1, 2, 3, 4, 5. On a pu aussi vérifier quand même l'aspirateur, l'aspiration. On a un niveau plus bas ici. Elle aspire, elle est filtrée à la machinerie. Ensuite, elle ressort ici, en refouleur. Au bus de refoulement, donc on le prend. Il était possible qu'on ait une fuite sur les bus de refoulement, mais c'est pas le cas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bouchonné les 4. 1, 2, 3, 4. Et le cinquième, j'ai mis mon testeur. J'ai passé la caméra, mais rien d'extraordinaire. J'ai mis mon flotteur, je vais vous le montrer. On bouchonne, on a bien enlevé l'air, on met dedans, on attend un peu et on relâche. Si on avait une fuite, elle rentrerait, elle serait comme ça. Hop. Et c'est pas le cas. Il est impératif de fermer les bus, les bouchons. Si vous ne le faites pas, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, j'ai dit, il y a un problème autre que ça. Problème d'étanchéité. On a vu que le niveau d'eau au moment où je suis arrivé s'arrêtait à la plage, à la limite. Je vais vous montrer exactement un centimètre, un carreau au-dessus de la plage. Et c'est en regardant les joints qu'on est un souci. Et on voit la couleur aussi. Et pas comme ailleurs, on voit que c'est plus sombre, on voit qu'il y a des saletés qui sont rentrées dedans. Et puis j'ai pris ma florécine avec une aiguille, je vais vous la chercher. Et on va voir sur place que j'ai raison. Voilà. Confirmé. Problème de sensibilité au niveau des joints carreaux tout le long de la plage. Là, il est possible de réparer juste avec un joint silicone, parce que si on fait un joint en faïence, il va recracler à ce niveau-là parce que la dalle elle bouge. Silicone translucide, ou pour piscine, ou faire descendre le niveau, et puis sécher et siliconer. Le client il voyait plus grave que ça, que le problème, mais c'est pas le cas. C'est dur à expliquer au client. Pourtant la vidéo c'est important. Prenez des vidéos.